l'avenir de cette partie du monde se construira, c'est l'autre responsabilité que dans le même temps le gouvernement français a pris. Il a pris une responsabilité sur l'avenir de ce territoire, sur l'avenir du Mali bien sûr, mais aussi sur l'avenir de l'Azawad et sur l'avenir de toutes les populations qui occupent ce territoire. Et cette responsabilité, c'est une responsabilité politique et c'est une responsabilité humanitaire. Sur ce premier point, vous le savez comme moi, des exactions sont intervenues au début de l'intervention française au Mali. Et malheureusement, beaucoup d'informations qui nous parviennent nous font savoir que cela continue, que cela dans le sillage de l'armée française, que ce soit des milices, que ce soit même l'armée malienne régulière, commettent des exactions contre les populations principalement Maure et Touareg, et que ces exactions sont une honte qui réjaillira non pas seulement sur les responsables du gouvernement malien, mais surtout et avant tout sur les responsables du gouvernement français. Alors certes, le président François Hollande a condamné ces exactions et c'est bien qu'il l'ait fait, et il l'a fait sur place quand il a tenu ses discours à Tombouctou, et il l'a fait également au Parlement européen l'autre jour quand il s'est présenté. Cependant, quelles sont les enquêtes, où ont-elles été menées, puisque les ONG ont dénoncé des faits précis, des faits qui ont été circonstanciés avec des lieux, avec des victimes, avec des circonstances. Où sont les enquêtes? Où sont les sanctions? Où sont les mesures que l'on prend pour que cela ne se reproduise pas? Là-dessus, on ne voit rien, on n'entend rien, et c'est vraiment très inquiétant. Et là-dessus, c'est un point central, car ceux qui porteront la responsabilité d'un désastre humanitaire, ce n'est pas le gouvernement malien qui aujourd'hui, de toute façon, n'est guère représentatif, c'est bien Laurent Fabius, François Hollande et Jean-Yves Le Drian. Or, là où l'armée française laisse le champ libre à l'armée malienne, immédiatement des tensions renaissent, des circonstances graves exposent les populations, Touareg notamment et Maure, à des représailles, et il est absolument impératif d'être extrêmement vigilant à cet égard, et je crois que le champ libre qui serait laissé à l'armée malienne serait la pire erreur politique qui pourrait être faite par le gouvernement français. Aujourd'hui, sur le terrain, le MLNA participe à l'action militaire. Il le fait aux côtés de l'armée tchadienne, il le fait aux côtés de l'armée française. C'est la presse internationale qui nous l'apprend. Malheureusement, je n'ai jamais lu ça dans un journal français. Je l'ai lu dans la presse suisse, je l'ai lu dans la presse italienne, je l'ai lu dans la presse belge, mais la presse française n'en parle pas. Aujourd'hui, il y a effectivement une force politique, le MLNA, représentative du territoire de l'Azawad, et qui est sur le terrain pour combattre le fondamentalisme, pour combattre les trafiquants et pour combattre le terrorisme. C'est donc un fait politique, et c'est un fait qui appelle des conséquences. Et ces conséquences, il faut les prendre aujourd'hui en considération. Or, ces conséquences, elles peuvent être que sur le terrain politique. Il faut donner aujourd'hui un contenu politique à l'intervention militaire. L'intervention de la France militaire appelle une intervention politique, car c'est la responsabilité qui a été prise, et cette responsabilité doit donc être continuée, prolongée sur le terrain politique, faute de quoi on aura fait un coup d'épée dans l'eau, faute de quoi on n'aura fait que déstabiliser un peu plus une situation qui appelle à la stabilité et qui appelle à la construction d'un avenir de paix et de prospérité. Pour cela, l'appel que l'on peut lancer aux autorités françaises, puisqu'ils ont pris l'initiative de l'intervention militaire, c'est de prendre l'initiative d'une conférence de paix. Ils ont la qualification pour le faire, car l'intervention militaire est une initiative forte qui politiquement leur donne aujourd'hui la responsabilité de convoquer une conférence de paix. Cette conférence de presse, c'est à la diplomatie française d'en prendre l'initiative, et cette conférence de paix doit bien sûr associer les organisations internationales. En tant que député européen, je souhaite que l'Europe aussi soit directement engagée dans la construction du Mali du futur, qui ne pourra en rien ressembler au Mali du passé. Le Mali du futur, c'est forcément une autre structure qui, dans les frontières internationalement reconnues, construisent une réalité tout à fait différente et tout à fait en rupture avec les prétentions d'un État unitaire et centraliste qui pendant 60 ans a créé l'instabilité du Mali et qui pendant les 10 ou 12 dernières années porte la responsabilité de l'installation du terrorisme et des narcotrafiquants sur le territoire de Gao, de Tombouctou et de l'ensemble du territoire de l'Azawad. Alors cette conférence
pour la paix, pour le futur de l'Azawad, devra bien sûr porter et apporter des solutions à cette question politique fondamentale qui est le respect des peuples de l'Azawad et notamment du peuple Touareg qui depuis 60 ans a subi répression, révolte et massacre. Donc il est absolument indispensable que cette dimension-là soit présente autour de la table et elle pourrait être représentée. Bien sûr, c'est le MLNA qui doit remplir cette fonction. Le MLNA est un mouvement qui est aujourd'hui sur des positions que nous connaissons tous. Le MLNA est un mouvement laïque qui combat le fondamentalisme et l'islamisme depuis sa fondation et c'est une position qui est effectivement pour nous extrêmement importante. Il est aussi un mouvement qui a mené une démocratie sous nos yeux. Il y a une assemblée générale du MLNA qui s'est tenue à la frontière de l'Algérie il y a maintenant un mois ou un mois et demi. C'est là renouveler ses instances. Nous sommes avec un corps constitué qui représente, et aujourd'hui, dans cette situation du Mali, qui peut prétendre à la légitimité? Ce n'est certainement pas le gouvernement de Bamako, Premier ministre qui vient d'être porté sur son siège par un coup d'État militaire, qui dans le même temps a retiré du siège le précédent qui avait été mis. Personne n'a aujourd'hui la légitimité, ni à Bamako, ni ailleurs, pour se dire plus légitime que le MLNA. Aujourd'hui, le MLNA est sur le terrain, il est dans les combats, il doit donc être dans la solution politique, et il doit être autour de la table de conférence. Un autre point nous inquiète, c'est qu'aujourd'hui, à Bamako, règne encore l'esprit de revanche. Cet esprit de revanche doit être condamné avec la plus grande fermeté. Il doit être condamné clairement par la diplomatie française. Il faut que le ministre des Affaires étrangères exprime de façon publique et directe son refus de l'esprit de revanche tel qu'il est encore présent dans la presse et aussi dans les propos des ministres et dans l'attitude des responsables militaires. La responsabilité de la France est beaucoup trop engagée désormais pour laisser le champ libre à l'esprit de revanche. Et car cet esprit de revanche, on sait où va nous mener. Il va nous mener à nouveau à des persécutions, en particulier contre les Touaregs, et ils vont être à nouveau spoliés de leurs droits. Et ensuite, on aura un risque de propagation de la déstabilisation à tous les pays voisins. Et je pense au Niger, principalement, qui est le pays le plus proche, mais aussi les autres pays de la zone. Et bien sûr, tout cela serait l'échec politique de l'intervention française. Que l'intervention française était là pour stabiliser la situation. Si, par des fautes politiques majeures aujourd'hui, on n'est pas capable de donner une porte ouverte à tous ceux qui veulent construire un avenir différent dans cette zone, on ferait l'erreur majeure de créer l'instabilité qui s'étendrait à tout le Sahel. Et ça serait l'échec politique majeur de François Hollande aujourd'hui s'il n'était pas capable de prendre conscience du rôle que France doit jouer, qui est un rôle pour faire un espace de paix et construire un avenir différent pour cette partie du monde. Alors, avec mes collègues, donc Jean-Jacob Bissep, ici présent, qui va vous dire deux mots juste après moi, Paul Molac, dont l'assistant viendra vous lire un message, car il est député à l'Assemblée nationale, mais aujourd'hui il n'a pas pu quitter la Bretagne d'élection pour venir jusqu'ici. Nous sommes aujourd'hui présents dans des institutions, des sessions, de faire prévaloir ces notions essentielles. Et au Parlement européen, à plusieurs reprises, le MLNA et Mossa étaient présents à chaque fois, est venu exposer dans les espaces politiques que nous avons ouverts avec notre groupe, les revendications, les propositions, la plateforme du MLNA. Et de nombreux députés européens ont compris qu'il y avait là une clé essentielle pour la solution politique de ce qui devait être fait. Aujourd'hui, ce qui est vraiment urgent, c'est que les autorités françaises mettent en place, en lien avec la communauté internationale, les outils politiques nécessaires pour éviter que la situation n'empire. Il faut rapidement prendre l'initiative d'une conférence sur l'avenir de l'Azawad, associant les représentants du Mali, le MLNA et les autorités internationales. De cette façon, un climat de confiance pourra s'installer. Le MLNA a prouvé à maintes reprises son attachement à la laïcité. Il a combattu les djihadistes avant même que l'armée française n'intervienne. Il a eu des pertes, il a payé le prix du sang dans la lutte contre les djihadistes. Et cela, il faut quand même que personne ne l'oublie. Et enfin, je crois que
Il a appelé aussi à ouvrir des négociations avec les représentants du gouvernement malien dans le respect des frontières internationales telles qu'elles sont aujourd'hui internationalement reconnues. Excusez-moi. La période actuelle est cruciale. De la bonne gestion politique de l'intervention de la France au Mali dépendra l'avenir, bien sûr, de cette intervention, mais dépendra aussi l'avenir de toute cette zone, l'avenir aussi de ces peuples, car c'est bien le principal, c'est qu'il faut donner au peuple de l'Azawad le droit à un avenir d'indépendance, de respect de ses droits et un avenir où il soit aujourd'hui confiant dans ce qui sera fait par la communauté internationale. Voilà, je vous remercie.